Ce phénomène a commencé avec l'arrivée des pesticides. Ça c'est clair parce qu'avant qu'on ait des pesticides, on ne pouvait pas faire ce genre de pêche parce qu'il n'y avait pas ces produits. Maintenant, les produits sont arrivés, les pesticides, et ils viennent au Cameroun pour être utilisés au niveau de l'agriculture. Bon, maintenant, les gens font de mauvaises utilisations pour utiliser ça au niveau de la pêche, pour détruire la santé des populations. Lorsqu'on bombarde la rivière, vous voyez qu'on est en train de détruire aussi bien tous les êtres vivants, aussi bien les petits poissons que les grands. Et lorsque les petits poissons sont détruits, vous voyez qu'il n'y aura pas renouvellement de la faune. Ce qui fait que les années qui suivent, vous verrez de façon très automatique qu'il y aura une très grande baisse de la quantité de poissons. Il y a même des espèces qui finissent par disparaître. Et ces poissons déjà qui récupèrent déjà sont toxiques parce qu'ils ont été pêchés par un produit toxique, la bamaline. Et en plus, lorsque ce produit arrive, votre poisson va se décomposer très rapidement.